Bonjour, alors nous sommes jeudi. Alors comme tous les jeudis, je réponds aux questions. Alors la question qui taraude tout le monde, c'est les diagnostics. Alors le diagnostic aujourd'hui, je vous montre un exemple. Un petit appartement en rez-de-chaussée, il est classé lettre G. Alors lettre G, on n'a plus le droit de louer en 2025. Donc les transactions pour ces appartements sont très très difficiles. Il faut savoir que cet appartement qui était en lettre G, il y a 2 mois, il était en lettre E. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que les diagnostiqueurs ont reçu de la part du gouvernement des indices à mettre dans les logiciels et dans les applications pour les placer en lettre G. Alors, lettre G, ça veut dire que vous êtes une passoire énergétique pour le gouvernement. Mais il y a 2 mois, vous n'étiez pas une passoire. Donc, il y a des solutions. On peut faire des simulations en faisant des travaux d'isolation ou des aménagements du chauffage pour le repasser en lettre E. Mais même lettre E, bientôt, on n'aura plus le droit de les louer. Donc, il y a une grosse, grosse polémique et ça va ralentir le marché des petits appartements et il y aura de moins en moins des petits appartements à la location à cause de cette lettre parce qu'il va falloir faire des travaux conséquents. Alors, les travaux conséquents, c'est des isolations extérieures. Pour cela, il faut l'accord de la copropriété, c'est pas évident. Ou des isolations intérieures. Mais les isolations intérieures, vous réduisez votre surface. Donc le temps que ça se passe, ça va bloquer un peu ce petit marché de petits appartements. Bon, voilà, c'était la lettre G pour aujourd'hui. Alors regardez un peu tout ce qui se passe. C'est le marché de Nanterre. Tranquille. Voilà. Bon, ben, je vous dis au revoir. Salut.